Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vidéo courte parce qu'on a eu du nouveau contenu annoncé sur Tekken 8. Alors vous le savez, ils ont sorti avant Tekken 8 un trailer pour chaque personnage et nous aurons donc aujourd'hui le droit au trailer du premier personnage DLC. C'est assez intéressant qu'ils aient organisé ça comme ça, mais c'est très bien, comme ça on va avoir des petites introductions au perso. Je sais qu'ils l'ont joué en live sur la chaîne officielle de Tekken avec des joueurs pro et notamment avec Arada qui était présent. Je sais pas si j'en ferai en commentary, surtout que c'était vraiment de l'annonce de perso plus qu'autre chose, mais comme d'habitude on va garder ce petit rituel de commentary des trailers. Voilà, des annonces des trailers. Donc c'est très très bien. Comme d'habitude, on se regarde ça, je vous donne mon avis après. Let's go, let's go. Você vai ver o melhor da capoeira. Get ready for the next battle. Tekken 8. New challenger. Coração ardente, mas cabeça fria. Eddie Gordo. Game over for you. Parece que você continua impiedosa como sempre. Valer a pena. Os ventos da vitória estão a nosso favor. Esse é o seu último jogo. Ninguém me segura. E voilà pour Eddie. Alors Eddie, assez intéressant pour plusieurs points. Donc voilà, annoncé un Tekken 8 saison 1 nouveau character. Je crois qu'on aura 3 ou 4 nouveaux personnages dans la première année 2024, si je ne m'abuse. En tout cas dans cette première année 2024 qui va un petit peu manger sur 2025 vu que le jeu n'est pas sorti le 1er janvier exactement, mais vous voyez ce que je veux dire. Assez intéressant, ça va être très compliqué d'analyser Eddie par rapport à ce qu'on avait pu voir sur Tekken 7, pour une raison qui est très simple, c'est qu'Eddie c'est un personnage qui s'analyse avec la frame data. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est un personnage, on a besoin d'avoir la frame data sous les yeux, pour savoir quoi est positif, quoi est négatif, qu'est-ce qui va être violent avec lui ou pas. Pour une raison qui est très simple, c'est un personnage qui est défini par des archétypes et des aspects très spécifiques de son gameplay. Pour ceux qui ont déjà joué à Tekken 7 et qui sont habitués des jeux Tekken, évidemment, vous le savez, Eddie, c'est trois choses principales qu'il caractérise. Le meilleur Koran Backdash du jeu, avec une animation cancel qui permet à Eddie de reculer plus vite. C'est le pire sidestep du jeu, voilà, la contrepartie du meilleur sidestep du jeu, c'est d'avoir le pire sidestep du jeu. Et ensuite, c'est d'avoir des stances très présentes dans son gameplay, et qui malheureusement sont contrebalancées, donc c'est dans le même point, qui sont malheureusement contrebalancées en général par une frame data assez mauvaise. Aujourd'hui, on le sait, Eddie a eu une toute petite période en middle de jeu sur Tekken 7, là où on l'a vu un petit peu, on le voyait un petit peu, et ensuite on s'est retrouvé avec une fin de jeu, une fin de Tekken 7, là où clairement sur sa fin de vie, il n'y avait plus qu'un seul joueur qui sortait Eddie à top niveau, au niveau international, c'était Jounding, voilà, et personne d'autre ne le sortait. Jounding avait trois persos, Julia, Eddie et Lucky Chloé, et on le voyait le seul à sortir Eddie dans des top 8, dans des top 16, personne d'autre ne jouait Eddie à niveau international dans les Masters, donc c'est comme ça. Eddie c'est un personnage un peu gimmicky, mais qui a ses forces, qui est quand même assez intéressant. Je vais mettre un autre point de préambule, je suis pas du tout,
mais alors pas du tout un fan d'Eddie, notamment sur T7. Je trouvais que son espèce de chara-design avec sa veste en léopard un peu bizarre était grave moche, voilà, je vous le dis. Visuellement, Eddie, c'était pas du tout ma cam, je trouvais ça très très moche. Et deuxièmement, bah évidemment, qui dit personnage avec un visuel pas très intéressant, un personnage que je n'ai pas joué, donc que je connais assez peu au final. Parce que quand vous faites un tuto sur un personnage, vous connaissez la frame data, vous connaissez ses coupes sur l'instant, et ensuite, au bout d'un moment, bah, si vous pratiquez pas le perso pendant 2 semaines, je veux dire pendant 2 semaines, oui, au bout de 2 semaines, en fait, vous avez déjà oublié sa frame data, vous avez déjà oublié quels sont ses coups maîtres. Évidemment, en voyant Jounding jouer le perso, je sais à peu près quels sont ses coups les plus intéressants, mais en tout cas, il y a plein de trucs là où je pourrais même pas vous donner d'informations sur la frame data, parce que je m'en rappelle plus, et parce que Eddie est surtout un personnage qui est au final assez populaire à niveau débutant, et qui se perd au fur et à mesure du temps. Plus vous avancez dans les niveaux, moins vous voyez de joueurs Eddie, et même à mon niveau qui était relativement moyen autour du Mighty Ruler, il n'y avait plus de joueurs Eddie, voilà, il n'y avait plus du tout de joueurs Eddie, moi j'en ai quasiment jamais croisé, donc c'est toujours un peu le pendant d'un personnage qui est très gimmicky. Il va être assez intéressant et quand vous allez le voir, il va se démarquer des autres. Le problème, c'est que vous le voyez relativement rarement, ce que Steve est en train de devenir d'ailleurs sur T8. Alors, comme d'habitude, on va mettre tout ça en 0.5 en coupant le son. Vous aurez sans doute une petite musique en fond, si je ne m'abuse. Pas grand-chose à dire d'un point de vue chara-design, à part que c'est mieux que sur T7. Je trouve que ses couleurs ressortent un petit peu mieux que ce qu'on avait sur Tekken 7. Pour une raison qui était très simple, c'était compliqué de faire pire que Tekken 7. Voilà, je suis désolé, hein. Je suis désolé pour ceux qui adoraient Eddie sur Tekken 7. C'était vraiment pas ouf. Ensuite, bon, objet de musique traditionnelle du Brésil, je suppose. Alors, pour ceux qui le savent, Eddie est un personnage qui se bat en capoeira. Donc, la capoeira qui est un art martial qui est entre le combat et la danse. C'est assez, assez spécifique d'ailleurs à voir. Hein. Je vous conseille d'aller voir. C'est assez beau, hein, vraiment, à voir la capoeira en vrai. Je trouve que c'est pas très bien représenté dans le gameplay. Ça fait assez rigide dans le gameplay. Mais dans la réalité, dans le monde réel de la réalité véritable, franchement, c'est très très cool à voir. C'est vraiment très très cool à voir. C'est très beau, c'est très... En fait, ça se rapproche quand même vraiment visuellement de la danse, donc il y a quelque chose de très harmonieux à voir. Voilà, évidemment, entrer sur le terrain, sur les mains, spécificité de la capoeira, on se bat beaucoup, et on se tape beaucoup à partir des mains, donc on se bat beaucoup avec les pieds, d'où la prédominance des pieds dans le jeu de Eddie. Donc on commence avec je sais plus si c'est Dunfor, premier lot, qui était un lot positif, qui était à plus 1, je pense que c'est exactement le même. Entrée de jeu intéressant, quel était l'intérêt? Et bien simplement d'être en positif et de passer sur les mains. Alors ils ont changé l'animation de sa stance sur les mains. Donc il a une stance qui s'appelle Negativa, là où Eddie est au sol, allongé au sol, qui est beaucoup plus punissable maintenant. Voilà, on l'a vu dans la vidéo d'Arada. Voilà, je vous spoil, on le verra pas dans cette vidéo-là. Mais dans la vidéo d'Arada qu'il a fait pour présenter, dans le live avec Arada qu'il a fait pour présenter le personnage, à partir de Negativa, vous avez toutes vos punitions qui sont garanties classiques. C'est-à-dire que l'adversaire n'est pas compté airborne. Et donc, vous pouvez mettre un Done Forward One extension tout, et le Done Forward One va toucher, et le tout va toucher aussi. Ce qui nerve pas mal la Negativa. Voilà, pour ceux qui voient, hein, quand il est allongé au sol. Avant, il était compté airborne sur Tekken 7, c'est plus le cas. Passage, deux mains au sol, pied en l'air, alors qu'il était une stance qui existait déjà. Qui existait déjà depuis longtemps et qui existait évidemment sur Tekken 7, qui est la même. Ils ont juste changé l'animation, c'est plus exactement le même positionnement, mais visiblement c'est le même coup. Ça, ce qui existait déjà, extension qui doit être garantie après le premier hit, extension mimique qui lui permet de passer dedans. Alors le problème, c'est que là on va pas le voir, c'est pour ça que je parlais de la frame data. Eddie est un personnage qui fondamentalement était en permanence négatif et launch punissable sur Tekken 7. C'est ce qui lui portait le plus préjudice, c'est à dire que certes il avait le meilleur backdash du jeu. Évidemment, il avait le moins bon sidestep, mais surtout, il était tout le temps, mais il y avait un nom, mais Eddie est sans doute un des personnages qui avait le plus de coups launch punissables du jeu. Il avait un sidestep launcher launch punissable, il avait 3 sur 4 de ses lots principaux qui étaient launch punissables. Et il avait quelques trucs un peu safe, notamment un de ses meilleurs lots, qui était un double low qu'on peut garder en se baissant, qui est quasiment impunissable. Mais c'est vraiment le côté un peu paradoxal du personnage, qui a certains coups un petit peu hors norme, mais qui est très 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 unsafe. Stance qui existait déjà, qui lui permet de passer au sol comme ça. Au total, je crois qu'il a 4 stances. Il a la stance sur les mains, Negativa. Il a celle-là, là où il reste au sol face à son adversaire, un petit peu en étant crouch. Là où il est compté high crush, évidemment. Je sais pas si on va mettre un high. Non, on a mis un mid que Eddie a pu totalement, garder, là. Qui est pas mal. Duck, West Standing 4, 4. Intéressant de savoir ça. Eddie avait un West Standing 4 très traditionnel. On dirait qu'il a un West Standing 4, 4 garanti. Ce qui pourrait être intéressant. Qui lui permet de repasser sur les mains. Et il va mettre un coup armor, qui est un nouveau coup armor qui n'existait pas sur Tekken 7.
voilà, qui n'existait pas sur Tekken 7, qui a l'air de rien garantir de spécifique, hein, au vu de Loki's aim au sol, l'adversaire pourra se relever. On voit évidemment qu'Eddie est toujours dans sa stance de mouvement, c'est-à-dire qu'en permanence, quand il est dans le neutral, il bouge, ce qui est, qui peut être à votre avantage, parce que ça peut esquiver des coups, ce qui peut être à votre désavantage. Ça veut dire que quand Eddie se rapproche de vous, vu qu'il y a une espèce de danse dans le neutral, quand il bouge pas, en fait, il bouge. Vous ne pouvez pas ne pas bouger avec Eddie, vous vous rapprochez, vous vous éloignez de votre adversaire à intervalles réguliers. Ce qui fait qu'il a le meilleur corps de backdash du jeu aussi. Mais ça fait que c'est un peu par... c'est un peu... ça peut vous tirer dans le pied. Vous pouvez vous tirer dans le pied. Petit coup punissable avec 2-3 qui était déjà sa punition, je crois, un peu la meilleure en 10, je crois. Voilà, passage dans cette stance. Petite feinte assez intéressante là, hein, qu'on aura remarqué. Il fallait pas cligner des yeux, évidemment. Il y a une espèce de petite feinte derrière que je trouve assez cool, qui lui permet de passer. Alors, est-ce qu'il lui aurait rajouté une stance? Non, j'ai l'impression que c'est la même. Et hop, punition avec un espèce de coup d'épaule assez intéressant. On passe, donc ça c'est son classique sidestep 4, instant duck dans la situation. Et vous voyez, hein, on est repassé ici pour prendre du high crush, ce qui est pas mal, hein, de repasser sur les mains là. Regardez. On passe sur les mains et on est en high crush, on permet d'esquiver le petit jab et on va mettre un double hit qui wall break, donc sans doute un min-min natural combo qui va wall break. On récupère l'adversaire avec un combo assez classique, le coup qui a spin l'adversaire. Ah oui, et aussi, si c'est vrai que je l'ai un petit peu, je l'ai pas exactement spécifié, mais on ne le rappellera jamais assez, Eddie est un des personnages qui a le moins bon combo set du jeu. C'est très intéressant ce passage dans la tête, et petit tender qu'on reverra ce coup-là, car c'est un hit dash aussi. Coup qui n'était pas armor, forward 3, qui n'était pas armor sur Tekken 7, je crois, qu'il est maintenant, et qui permet d'être en hit engager. On repasse en stance, et on met clairement le hit smash, ici. Hit smash qui commence par un mid, je crois, ouais, mid, et après, bon, c'est une animation, hein, comme tous les hit smash, c'est totalement garanti quand le premier hit passe, qui pousse bien l'adversaire, qui fera sans doute une quarantaine de damage. Intro spécifique contre Nina, j'ai trouvé ça très drôle sur Twitter, il y a quelqu'un qui a dit, quand même, Nina est la pire espionne de cette planète, c'est-à-dire que c'est une espionne, elle se retrouve dos à un adversaire qu'elle doit abattre, parce qu'elle va lui tirer dessus, et elle s'annonce, elle parle avant de tirer. Que fais-tu, Nina? Es-tu complètement d'arche? Es-tu complètement bourré? Tu es complètement torché dans ta vie pour annoncer ta venue à ton adversaire qui lui permet évidemment d'esquiver tes balles vu que tu viens de lui parler, hein, espèce de débile. Ok, petite esquive de la part de Nina, elle sourit, on sait pas pourquoi, elle a loupé son assassinat, très bien. Je suppose qu'il y a un background entre les deux personnages qui justifie cette intro. Les Lorzouz nous en parleront en commentaire évidemment, n'hésitez pas à regarder. Ils viendront nous rappeler que pendant Tekken 3, Nina a volé son goûter à Eddie pendant qu'il était aux toilettes. Et Eddie était très en recherche de vengeance depuis. Très très bien, passage sur les mains. Donc voilà, hein, qui a bien changé, hein, cette animation qui a bien changé. Donc maintenant, voici la position qu'il a. Qui n'était pas exactement la même qu'avant, je crois qu'il était plutôt au pied. Ah, c'est vrai qu'il a un passage aussi pied écarté, là où il fait le grand écart en l'air. Je sais pas si cette stance c'est encore là, on l'a pas revu. Je suis pas sûr qu'on l'a revu spécifiquement là. Passage en positif. Ah ça, il fallait pareil, hein, il fallait pas cligner les yeux. Hop, très très positif. Passage au sol, qui est une des stances un peu très importantes d'Eddie, parce qu'il a accès à de bons lots normalement. Et voilà, à partir de cette stance là, on a accès clairement à un low L-sweep. Donc un low high L-sweep. Hein, très simple à voir. Hop, low high L-sweep garanti et qui lui permet de passer dans ce qui ressemble à être à une stance d'Asuka. Ça me fait vraiment penser à la stance d'Asuka parce que c'est le même truc, effet visuel et sonore sur le personnage, plus main tendue face à son adversaire, plus effet visuel. Alors, est-ce que c'est de la key charge? Est-ce que ça lui donne accès à des nouveaux coups? Très compliqué à déterminer, on sait qu'Asuka elle a accès à des nouveaux coups et à des spikes au sol qui font très mal, qui font beaucoup de bien à Asuka d'ailleurs dans son gameplay. On garde petite chop crouch, ça j'ai trouvé ça très cool. Alors c'était déjà le cas, Eddie avait déjà dans Tekken 7 accès à des shops à partir de crouch, mais shops à partir de crouch qui lui permettent de faire hit system, vous allez voir, boom, hit system, donc on rentre en hit à partir d'une bonne position pour Eddie, il va falloir voir encore une fois ici, hein, en termes de frame data, où est-ce qu'on en est. Si vous êtes face à votre adversaire au sol avec coup garanti, c'est très bien, si vous êtes avec votre adversaire au sol à genre plus 8, plus 9, c'est pas mal parce qu'il a le temps de se relever, mais vous êtes en 50-50, et si il est au sol et qu'il a le temps de se relever, c'est un petit peu dommage pour vous. On passe très positif, donc là on est en hit system, hein, donc les coups font plus mal et sont plus positifs en hit, c'est normal, c'est toujours le cas. Et hop, du coup, là, le coup qui va être positif, alors que je pense que ça sera un coup qui sera jailable. C'est-à-dire que votre adversaire vous le mettra sur en garde, Eddie passera sur les mains et vous pourrez jab l'adversaire et le récupérer en combo. Ici, c'est très positif et ça permet à Eddie, hop, de mettre un nouveau. J'ai l'impression qu'il a accès à, du coup, à deux... Alors, ça pourrait être deux choses différentes. Soit c'est vraiment un autre hit smash, ça pourrait être un autre hit smash ici.
Soit ça pourrait être juste parce qu'il a eu son animation qui charge, qu'on a vu tout à l'heure en vert, et du coup juste il a accès à un L-Sweep plus optimisé ou qui fait plus de damage. En tout cas c'est un L-Sweep supplémentaire qui allait faire de bons damage et qui brisera le sol. Donc dans les stages, notamment avec le Floor Explosion par exemple, ça sera très bien pour vous, ça fera de très très gros damage. On passe au mur évidemment. Hit Crush, une méca qui était censée disparaître, on nous l'avait annoncé, est en fait totalement présente. On l'avait déjà revu sur d'autres coups et sur d'autres personnages et là on le revoit. Donc Hit Crush très positif pour Eddie. On reste au sol, on met un mid-mid, ça a l'air d'être un mid-mid, qui Wall Splat et qui Wall Explosion, donc explosion du wall. On va ramener au mur avec une des screw attacks les plus moches de la planète, mais là, cette espèce de Done for Hard One extension 3 plus 4, là, waouh, c'est pas très beau à voir, mais ok. Et grosse animation au wall avec un bon combo qui fait combien de hits, là? Alors, qui fait combien de hits au total? 1, 2, 3, 4, ok, 4 hits, qui sera sans doute peut-être un de ses meilleurs enders au wall, en tout cas un nouveau ender par rapport à Tekken 7. On vient faire whiffer son adversaire et on vient mettre les... Alors, est-ce qu'il passe en stance? J'ai pas l'impression. Hein. Ça pourrait être forward, forward 3 plus 4, forward 3 plus 4, forward 3 plus 4. En tout cas, très très gros coup qui est clairement un... D'ailleurs, ça nous indique que c'est clairement un mid et pas un high. Vous voyez, le coup touche en l'air, mais elle touche totalement Nina malgré le fait qu'elle est crouch. Et qui permet de passer en hit dash, qui nous permet de combo. Hein. Les hit dash permettent toujours de combo quand vous arrivez à faire whiff punish votre adversaire. Autre point, c'est intéressant, ils ont gardé le gimmick du décalage de Eddie dans les combos. Alors ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'ils l'ont quasiment enlevé. C'est un gimmick qui a quasiment disparu de tous les personnages. Notamment, il y avait Xiaoyu qui avait ça, c'est-à-dire que Xiaoyu, quand elle faisait un combo sur Tekken 7, elle se décalait naturellement. La screw plus les coups que vous mettiez décalait petit à petit votre adversaire sur votre droite, si je ne m'abuse. Ou sur votre gauche, je ne sais plus. En tout cas, ça décale l'adversaire, ce qui fait que vous aviez des wall combos qui étaient moins longs, qui vous permettaient de moins aller chercher le wall. Mais malgré tout, c'était à votre avantage parce que souvent, ça vous permettait à la relever de passer dans le dos de votre adversaire, de vous lui faire des mix-up. Et Xiaoyu a quasiment perdu ça. Voilà, quasiment perdu ça. Et vous voyez, là, c'est encore le cas. Eddie va tranquillement, avec ce petite optimisation de combo, être décalé légèrement à droite de l'adversaire. Vous voyez ? Et c'est assez intéressant. Vous voyez, hein, par exemple, pareil, ce coup-là qui passe à droite. Et vous voyez, il est légèrement décalé. Alors, c'est moins marqué que sur Tekken 7, là où vraiment Tekken 7... Eddie finissait à genre 30 ou 40% à droite ou à gauche de l'adversaire, hein, 30 ou 40 degrés à droite ou à gauche de l'adversaire. Et là, bah c'est un peu le cas, vous voyez, un petit peu décalage, vous voyez, si vous observez d'où il est parti, Nina, elle est petit à petit poussée sur sa droite, et on va, je sais pas s'il chope le wall là, non, il arrive même pas à choper le wall, mais c'est pas mal, je trouve que c'est pas mal comme gimmick qu'ils aient gardé ça sur Eddie, et j'espère qu'ils l'ont gardé, qu'il aura pas des combos qui lui permettent totalement d'échapper à ce petit désaxement. Je trouve que c'était un gimmick qui était sympa. Par contre, intéressant par rapport à ça, j'ai l'impression que Eddie a chopé à peu près le même wall carry que sur Tekken 7, c'est-à-dire un wall carry relativement restreint. Faudra voir évidemment avec le hit system qui permet toujours de pousser un petit peu plus le wall. Et intéressant qu'ils aient mis ça en dernier coup. Un coup un peu qu'on voyait beaucoup sur Tekken 7 parce que c'était un très bon coup en combo qui permettait de récupérer l'adversaire et qui screw maintenant. Ok, intéressant, donc qui screw dans les combos, qui va screw en l'air évidemment. Et ensuite, tout le monde l'a remarqué, tout le monde a fait la blague, je suis obligé. Extension du territoire à la Jujutsu Kaisen, franchement on peut pas appeler ça autrement, je suis désolé, ça ressemble tellement. Alors c'est vrai que sur Tekken 8, il y a beaucoup de personnages qui ont des extensions du territoire, hein. Zafina a une extension du territoire, Devil Jin a une extension du territoire, etc, etc. Mais alors vraiment avec lui c'est tellement... Master Raven aussi. Raven a aussi une extension du territoire, mais alors là, vraiment l'extension du territoire en mode Brésil, au sol, lui qui joue de la guimbarde, du tam-tam et du tambourin. Bon, franchement, c'est quand même un peu chelou, j'avoue, c'est quand même un peu chelou, je vais le remettre en vitesse normale. Je vais remettre en vitesse normale avec le son. En plus, il y a la musique et tout derrière, hein, vraiment. Vraiment, il y a vraiment un truc... bizarre avec cette extension du territoire. Il y a un truc un peu cheapos. C'est-à-dire que vraiment, par exemple, celui de l'extension du territoire de Zafina ou l'extension du territoire de Devil Jin est vraiment beau à voir. Je trouve que le décor est beau, mais alors celui-là... Il y a un côté un peu cheapos, non? Avec ce sable, il n'y a rien, il n'y a pas de décor. Il y a juste lui qui est en train de taper... qui est en train de taper sa meilleure danse, là. Je veux dire, il est pas très beau d'ailleurs, hein. c'est pas la meilleure rajarde qu'on ait vu du jeu, hein. Ça c'est clair et net, avec un combo un peu classique, ils ont mis de la couleur, évidemment, ils ont fait ça pour tous les personnages du jeu, et
bien logiquement, ils ont mis le vert pour Eddie, ce qui est pas étonnant, hein. Il était déjà représenté en tout cas en partie par le vert sur Tekken 7, et là encore plus au vu de son costume et tout. Pas grand chose à dire, en vrai franchement pas grand chose à dire. Moi je pense que les gens, alors c'est un personnage qui était très populaire, hein. Moi je l'avais annoncé avant même que Tekken 8 sorte. Eddie c'est un personnage qui allait revenir parce qu'il était seul représentant de son style de combat, qu'il était au final assez populaire chez les gens. Il y a plein de gens qui sont venus sur Tekken, sur les Tekken d'avant notamment, sur Tekken 2, Tekken 3, pour jouer Eddie. Non, je crois qu'il était pas là sur Tekken 2. Je veux dire, sur certains Tekken, il y a vraiment des gens qui sont venus spécifiquement sur le jeu pour jouer Eddie parce qu'il avait un style de combat spécifique. Donc ça, c'est très intéressant. Et c'est bien, c'est un personnage qui représente bien, qui représente bien le jeu, qui a une bonne aura. Qui a vraiment une bonne aura. Mais... bon, c'est clairement pas ma cam, ça c'est clair et net, c'est absolument pas ma cam du tout. Mais à part ça, franchement, ça va. Moi je pense que les gens vont être contents. Les main Eddie, ceux qui avaient pleuré parce qu'il était pas là dans le cast de base, parce qu'il y en a eu, il y a eu des pleurs, on le sait tous très bien. N'hésitez pas à vous féliciter en commentaire du retour de votre personnage préféré. Je sais absolument pas comment je vais appeler cette vidéo pour faire du putaclic. Mais ça sera assez intéressant. Mesdames et messieurs, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Semaine prochaine, évidemment, comme d'habitude. À minima, une vidéo par semaine, peut-être deux. À voir comment on s'organise. N'hésitez pas à vous améliorer. Évidemment, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, laisser un commentaire, vous abonner, partager la vidéo. C'est ce qui fait vivre la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À la semaine prochaine. Améliorez-vous, faites-vous plaisir.